Bonjour, petite vidéo spéciale aujourd'hui. Plusieurs personnes ont remarqué mon amélioration sur YouTube et ça m'a fait vraiment très plaisir. Donc, je vais vous dévoiler ce qui m'a aidé. Je vais d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Irlanda Di Marco, je suis professeure de français langue étrangère et d'italien pour les francophones, mais aussi autrice et traductrice. Ici, je t'aide à apprendre, mais surtout à comprendre la langue et la culture française pour que ce soit plus clair et plus facile. J'ai créé cette chaîne en mars 2020 pour aider les apprenants de français. Mais je n'y connaissais rien à YouTube et à son fonctionnement et au montage. C'est d'ailleurs mon mari qui devait s'en occuper, donc à chaque fois je devais attendre qu'il rentre du travail. J'avais vraiment du mal à faire grandir la chaîne et donc à avoir de la visibilité. Et comment est-ce que je peux aider des apprenants si je ne suis pas visible ? Il fallait faire quelque chose. Donc j'ai décidé de sauter le pas et d'entrer dans la formation Accélérateur YouTube d'Olivier Juprel parce qu'en 2 ans et demi, je n'arrivais toujours pas à atteindre les 500 abonnés. Ça voulait dire que je devais absolument m'améliorer. Et les premiers résultats sont vite arrivés. Même si j'ai encore du travail à faire, j'ai tout de suite dépassé les 500 abonnés. Mais surtout, j'ai de nouveaux abonnés tous les jours. Mes miniatures plaisent, je fais le montage toute seule et plus rapidement. J'ai amélioré aussi la qualité des vidéos qui sont plus dynamiques et plus agréables à regarder. Et moi, je me sens plus à l'aise devant la caméra. Donc plein de détails qui font la différence. Et en plus, j'ai trouvé une communauté, un groupe d'entraide. C'est un vrai soutien et ça aide énormément. Donc merci à toute l'équipe de Stratégie Vidéo et au groupe, et en particulier à certains qui se reconnaîtront et que je salue chaleureusement. Voilà, dans la vie, il n'y a pas de secret miracle. C'est pareil dans tous les domaines. Si on veut s'améliorer, il faut se donner de la peine et on a toujours besoin de quelqu'un qui peut nous aider à progresser. Comme pour apprendre une langue, on peut très bien apprendre une langue tout seul, mais ça va être long et difficile et on va peut-être finir par abandonner. Alors que si on prend un cours, on a un soutien et on apprend vite et bien. Voilà, à bientôt!